Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, ça va, je vais commencer comme ça. Est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous m'entendez bien? On a eu les petits aléas du lundi, mais c'est pas grave. On est quand même super contente de vous retrouver. Je suis Pauline et aujourd'hui, je reçois une autre Pauline, merveilleuse aussi. Voilà. Ah, on a le générique qui bug derrière. Vous m'entendez bien? Voilà. Alors, je vais attendre quelques secondes pour être sûre que ça marche bien du côté d'Alex. Est-ce que ça marche? Faites-moi des coucous dans le chat pour dire ce qui se passe du lundi de votre côté. C'est pas grave, on est quand même super contente de vous retrouver. Où est-ce qu'on a un retour? Est-ce que c'est de ton côté, Alex, ou c'est merveilleuse aussi? Est-ce que tu as une fenêtre? On a le générique qui bug derrière. Vous m'entendez bien. Alors, voilà. Pauline, de ton côté, est-ce que tu as une fenêtre avec le live lancé d'Alex? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est bon. Ah, c'était de ton côté le bug. Mais ça devait être ça. Bon, c'est bon, on a trouvé la solution au problème, donc c'est pas grave. Bon, je recommence. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Et c'est reparti pour une semaine de live sur la chaîne de Adobe France ou sur Behance. Bon, avant d'attaquer quoi que ce soit, vous savez, comme d'habitude, c'est la tournée des coucous dans le chat. Du coup, bonjour à Thierry, à Sébastien, Pierre, Thierry Manga, Élevage d'Alizé, Asmin Design. Ouais, qui dit pas mal l'effet déco, c'est bon, on a trouvé. Bah, c'est lundi, hein, tranquille. Et si vous êtes sur du côté YouTube, il y a Alex qui va nous partager le lien pour nous rejoindre du côté Behance. Le côté Behance, ça nous permet de stalker vos portfolios, et ça on aime bien. Et il y a pas mal de gens, il y a toute la communauté Adobe qui est ici, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Du côté Behance, bonjour à Thierry, Camille, Franck, Seisou, Delphine, Tikenio, Niki, Alex, eh bien, on est parti. Pauline, c'est à toi. Allez, c'est parti. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, Pauline. ça va me faire beaucoup marrer, ça. Alors, bonjour à tous. Bonjour au YouTube, bonjour au Behance. Moi, c'est Pauline, comme vous l'aurez compris. Pauline Petit. Je suis actuellement photographe. Artiste, photographe et formatrice en photographie. J'ai 35 ans, j'habite en Normandie, entre Rouen et la Côte. Et voilà, pour une petite présentation rapide, en quelques mots, voilà. Écoute, c'est parfait. Moi, je dis, on attaque. Est-ce que vous connaissiez Pauline avant? Voilà, la question. Est-ce que vous découvrez maintenant ou est-ce que vous venez parce que vous connaissez Pauline? Je suis curieuse de savoir. Voilà. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on rentre dans ton portfolio et qu'on regarde ce que tu fais? Parce que c'est cool quand même. Allez, c'est parti. Parce que c'est vrai que je me dis dans la présentation, j'aurais pu dire un petit peu ce que je fais, mais en fait, c'est toujours plus parlant en image. Donc, carrément. Allez, donc là, je vous propose d'aller directement sur mon site internet. Donc, vous me dites quand c'est OK. C'est bon, on voit tout. C'est bon, OK, parfait. Là, on est sur l'accueil, donc on peut aller au niveau du portfolio pour avoir une petite vue globale déjà dans un premier temps. Donc, moi, je fais, si je peux dire en quelques mots, des portraits graphiques en noir et blanc qui mélangent beaucoup d'humour, aussi donc, ce qu'on peut dire un peu glamour, parce qu'on m'associe souvent aussi à de la photographie de mode et de la photographie publicitaire. Et okay. C'est un univers bien particulier. Donc là, je vous défile un petit peu rapidement. Et puis, je vous propose qu'on revienne après série par série pour rentrer en plus en détail sur chaque inspiration. Ah, c'est trop marrant. C'est trop cool. Donc là, c'est sur ce style-là où on va plus m'associer à de la photographie de mode. Ah ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. T'as un style qui est hyper marqué, en fait. Quand on arrive chez toi, on reconnaît direct. C'est ça. Enfin, toutes les séries vont bien ensemble et tout. Est-ce que t'as toujours fait ce style-là? Enfin, comment t'en es arrivée à ça? Oh mon Dieu. En version courte ou en version longue? Écoute, on a 54 minutes. Tu fais comme tu veux. On est là pour papoter. Ouais. Alors, moi, ma petite histoire, ma grande histoire avec la photo, je vais essayer de revoir juste les dates marquantes. En fait, j'ai eu mon premier appareil photo en 2004. Donc, ça remonte déjà à pas mal d'années.
Et bon, c'était un appareil photo de, on va dire, de loisir, hein, juste pour faire des photos de vacances, des photos de famille, tout ça. Et ben, je me suis quand même pris au jeu de la photographie. J'ai trouvé ça vraiment très, très chouette parce que moi, je suis une peintre ratée. C'est que je rêvais en fait d'être artiste peintre, de, voilà, de faire des toiles, des créations, sauf que je pense honnêtement que je n'étais pas assez bonne et j'ai voulu rentrer en école d'art et j'ai littéralement foiré le concours. Donc, ça me plaît déjà comme histoire, tu vois, j'aime bien. Ouais. Ça me parle bien. Comme j'ai foiré le concours et que j'ai fait mon bac scientifique dans un lycée agricole, je me suis retrouvée à faire des études en agriculture. Donc, on est vraiment très, 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 très loin de tout ça. Mais comment dire, après mon BTS, comme je ne me voyais pas continuer dans l'agriculture, j'ai commencé à travailler et je me suis retrouvée en fait dans le tourisme. Donc, j'ai été chargée d'accueil touristique dans un office de tourisme. Et puis, notamment, on avait des expositions dans l'office de tourisme chaque mois, dont des photographes. Et un jour, je me suis dit, ce que j'ai en fait dans mon ordinateur en tant que photographie, c'est pas déconnant par rapport à ce qu'il y a à l'office de tourisme. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première expo et que la photographie est presque arrivée dans ma vie comme une revanche sur la carrière artistique que j'avais ratée, quoi. Ok. Donc, à cette époque-là, j'étais quand même photographe débutante. Donc, j'avais créé une première expo, mais c'était du paysage, avec les paysages de ma Normandie, les falaises, les champs, comme ça. Mais le fait que je travaille dans un office de tourisme, j'ai bénéficié de tout le réseau des offices de tourisme du secteur. Et ça m'a permis d'être exposée, puis d'être un tout petit peu connue dans toute ma région, quoi. Ok, toi, c'est hyper improbable et en même temps... Voilà, on peut trouver des opportunités. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, pendant ces expos-là, il y a des gens qui ont commencé à me demander si je vendais mes photos. Et moi, je suis une personnalité très loufoque, un petit peu fofolle, mais très rigoureuse à la fois. Et en fait, je ne me voyais pas vendre des photos sans être dans la légalité absolue. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon entreprise. Donc, c'était en 2007 et je ne l'ai jamais fermée depuis. Donc, officiellement, j'ai une entreprise de photographe professionnel depuis 2007. Donc, ça fait déjà bientôt 15 ans. Et ça commence, à dater pas mal, hein ? C'est ça, ça commence à dater. Mais en fait, pendant pas mal d'années, j'ai continué à bosser à côté. Donc, j'étais dans le tourisme. Après, j'ai été dans la formation. J'ai été formatrice en communication, en informatique et en technique de recherche d'emploi. C'est très glamour aussi. Après, j'ai été chargée de com. Après, j'ai été pigiste pour un journal local. Et puis, en parallèle de tout ça, j'ai continué à développer mon entreprise, mais vraiment tranquillement. Et j'ai abandonné le monde salarial définitivement en 2012 pour me consacrer 100% à la photo. Ok, donc tu vois, ça fait quoi ? Ça fait une dizaine d'années. Ça fait 10 ans que la photo, c'est mon seul et unique métier. Que j'en vis et que je suis dans ce monde-là et que ça occupe mes journées. Ah, c'est trop trop cool. Et écoute, bravo. J'ai l'impression que ça inspire pas mal de gens ton parcours. Tu as une communauté qui te suit, qui a l'air hyper fidèle. Du coup, sur mon petit sondage, si vous connaissez Pauline, alors du côté Behance, comme c'est notre communauté, les gens te découvrent. Et du côté YouTube, j'ai l'impression que c'est les gens qui viennent de toi. Donc, ils ont l'air de te connaître, donc c'est assez marrant. Donc, n'hésitez pas à venir du côté Behance, les gens sur YouTube. Il y a des gens sympas aussi. Voilà. Il y a Alicia qui dit « Savoir dessiner ou peindre, ça aide vachement en photo. » Mais tu vois, je dessinais pas assez bien ou je peignais pas assez bien pour rentrer en école d'art. Donc, ils n'ont pas voulu croire. Mais bon, je m'en fous, j'ai pris ma revanche. carrément. Et puis, il y a des gens pour qui ça s'est beaucoup plus mal passé de se faire caler d'école d'art. Donc, on est bien là, tu vois. C'est ça. Et donc, si je continue la petite histoire... Oui, du coup, en 10 ans, Après, du coup, en 2012, je suis devenue vraiment photographe de mariage, très spécialisée dans le mariage, avec un petit peu en annexe des shootings en famille, studio et photographe de maternité. Et j'ai fait ça jusqu'à 2017-2018. Donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et au bout d'un moment, j'ai ressenti une certaine lassitude et j'ai fait un virage à 180 degrés dans mon entreprise pour devenir formatrice en photographie. Ok. Ce que je suis toujours maintenant, un métier que j'adore vraiment. Et c'est quand je suis devenue formatrice en photographie
que j'ai commencé en fait à développer un univers beaucoup plus personnel, parce que je me suis rendu compte que pendant plus de 10 ans, j'avais fait de la photo pour les autres, pour mes clients, donc répondre à des demandes, et que bah, finalement, quand on n'a plus de clients, bah, je me suis retrouvée un peu bête devant une page blanche en disant bah, « Ok, je suis photographe professionnelle, mais la photographe vraiment qui est en moi, quand elle ne fait pas des photos pour les autres, qu'est-ce qu'elle a à dire quoi ?» et c'est comme ça en fait que tout a commencé. Quoi. Ah. Alors du coup, j'ai plein de questions sur ce parcours. Moi, je me demande, alors, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que tu penses que pour les gens qui veulent devenir photographe, j'ai la sensation que la photo de mariage, c'est presque le truc obligatoire. Qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, c'est débat, vous avez 15 heures. Alors, je dirais obligatoire, non, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans ? Ouais, j'ai l'impression que c'est le chemin qui est évident, tu vois, quand tu dis que tu veux devenir photographe, d'un coup, c'est un peu la voie, genre, bon, bah, je vais faire des mariages. Ouais, ouais. Alors, obligatoire, non, mais pourquoi moi, j'ai fait ça et pourquoi tant de personnes font ça ? C'est parce que c'est une des prestations qui rémunère le mieux, quoi. Donc, ouais. Au bout d'un moment, on va dire, on a besoin de faire moins de mariages sur l'année pour faire un CA qui permet de vivre que de séances photo, famille ou maternité à côté. Donc, je pense que c'est un peu, effectivement, quand on se lance dans ce qu'on appelle la photographie sociale, quand on photographie les gens, la prestation de mariage, c'est quasiment un passage obligé. Après, il y a de plus en plus de photographes quand même qui arrivent à ne pas en faire et à vraiment faire de la photographie studio, mais en général, c'est des photographes qui sont vraiment spécialisés, style tout ce qui est fine art un peu en ce moment, où là, c'est des séances un peu thématiques que les photographes vendent un petit peu plus cher et qui sont tendance, du coup, qui permettent quand même de créer un CA qui permet de vivre. Mais sinon, ouais, la photographie de mariage, ça reste un peu un incontournable. J'ai l'impression aussi que la photo de mariage, c'est ce que les gens connaissent. Tu vois, genre, quand tu connais pas la photo, tu connais pas du tout le milieu, tu sais que les photographes de mariage, ça existe. Et c'est peut-être aussi par là que les gens commencent, parce que c'est ce que tout le monde connaît, quoi. Peut-être aussi, ouais. C'est vrai que beaucoup de personnes, pour les gens, avoir un photographe à son mariage, c'est quelque chose de normal. Ouais. Par contre, faire des photos en famille à un moment donné, à une période donnée, c'est pas quelque chose de systématique pour tout le monde. Ouais, ouais. Bah, écoute, ouais, il y a Marie-Georges qui dit c'est alimentaire, lol. Bah, ouais, ça dépend. Toi, tu le sentais comme quelque chose d'alimentaire ou quelque chose que t'aimais vraiment ? Non, franchement, au début, j'aimais vraiment. Et honnêtement, j'aime toujours vraiment. C'est quelque chose où je prenais énormément de plaisir. Je suis quelqu'un d'hypersensible et honnêtement, j'étais totalement investie dans le reportage du début à la fin de la journée, très consciencieuse de mon travail, l'œil partout, très proche de mes mariés, très proche de la famille. J'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Mais après, bah, c'est comme tout, j'ai fait 120 mariages. Et je sentais une lassitude aussi bien psychologique que physique, parce que physique, c'est quand même très, très fatigant. Moi, je suis une petite bonne femme d'1m60, j'ai des rondeurs. Toute la journée, être debout, piétinée avec des appareils photo qui étaient quand même assez lourds, le sac à dos sur le dos, tout ça. Le lendemain, j'étais littéralement cassée. Sans penser à tout l'aspect de stress pour ne pas se rater en fait quand on est en prestation et la livraison des photos qui moi me prenait de plus en plus de temps parce que je suis une grande perfectionniste et que du coup là où certains photographes peuvent livrer peut-être en une semaine, deux semaines, moi il me fallait plus de temps pour peaufiner mon reportage, pour bien post-traiter, pour raconter une histoire, pour avoir quelque chose de précis. Et je vivais de plus en plus mal l'attente des clients qui ne comprenaient pas toujours que ça nécessitait du temps, en fait. Voilà. Ok. Ouais, tu perdais de l'énergie, mais tu gagnais pas autant. Enfin, il y avait un déséquilibre qui commençait à se faire, quoi. Ok. Ouais. Je trouve ça intéressant qu'on en parle, parce que du coup, je trouve ça intéressant aussi que tu parles du fait que t'étais vraiment passionnée par ça et t'aimais beaucoup ça. Je pense que c'est aussi important pour se lancer là-dedans de beaucoup aimer. Moi, je te demande ça parce que quand j'ai commencé la photo, tout le monde me disait « Ah, il faut que tu fasses des mariages. » Et moi, c'est hors de question, je préfère me crever les yeux plutôt que de faire des mariages. Tu vois. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des mariages. Voilà, c'est selon votre personnalité.
Non, franchement, j'aimais vraiment ça. Et honnêtement, je serais très contente d'en refaire quelques-uns de temps en temps. Mais c'est juste parce que ça serait le de temps en temps, tu vois, qui serait agréable oui, à vivre. Tu choisis et tu sais que voilà, c'est sélectionné et tout. Ouais, carrément. Et du coup, tiens, moi, j'ai des questions sur... Tu disais que tu étais formatrice. Donc, tu formes plutôt sur cet aspect fine art ou sur cet aspect, justement, plus portraitiste et mariage? Ou les deux? Ouais, les deux. Plus globalement, en fait, je forme vraiment sur la photographie de portrait, aussi bien pour des personnes qui en font leur loisir et qui veulent tout simplement progresser, et aussi bien pour des personnes, en fait, qui veulent en faire leur métier. Du coup, j'ai énormément de personnes qui viennent vers moi et qui me disent, bah, voilà, j'aimerais faire une reconversion. Et en fait, bah, ces personnes-là, je les prends de A à Z et je les accompagne. Bah, là, la formation que je propose, elle dure 2 ans. Je les accompagne pendant sur leur pratique photo et sur leur création d'entreprise, professionnalisation, etc. Et c'est un métier que j'adore, c'est juste hyper satisfaisant au quotidien et j'ai des élèves en or en plus. Oh, on leur envoie des bisous, je suis sûre qu'il y en a quelques-uns dans le chat. Attends, 2 ans, c'est incroyable, donc ça montre vraiment que ça prend du temps d'être photographe et ça s'improvise pas, quoi. C'est ça. Et puis 2 ans encore, tout le contenu que je suis en train de créer, parce que je n'ai même pas encore fini d'aller au bout de cette formation, tellement je veux mettre des choses dedans, que 2 ans, le temps de voir, tu vois, les bases techniques, les bases artistiques, de trouver son style, d'apprendre à post-traiter sur Lightroom, à post-traiter sur Photoshop, à être productif, puis à côté à créer son entreprise, à développer l'entreprise, parce que tous les photographes ne sont pas des entrepreneurs, à trouver son style, à créer un site internet. Voilà, c'est 2 ans, c'est vraiment rikiki en fait. Évidemment, en plus, on a envie de tout faire en même temps, donc c'est ça. Carrément. Écoute, est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu plus ton travail en profondeur, parce qu'il y a des pépites là dans ce portfolio. Moi, j'ai encore plein de questions là-dessus, donc n'hésitez pas si vous en avez. Il y a Aurélie qui dit Pauline est une formatrice en or. Il y a Marie-Georges qui nous dit je suis fine art et sportif en animalier, mais 4 ou 5 mariages seront les bienvenus, mais c'est trop fatigant. Mais la photo de mariage, c'est favorise les relations qui sont importantes pour développer la personnalité. Laurent qui dit il adore son style créatif, c'est trop stylé. Ouh. Alors je vais voir du côté business. Audrey, dis-moi, c'est pareil, j'aime. Non mais mariez-vous, mais m'invitez surtout pas à faire les photos, papa. Et toi, du coup, bah, comment tu t'es formée de ton côté? Comme ça, on peut regarder en même temps et papoter là-dessus. Ouais, autodidacte, ça a été quoi ton parcours? Parce que t'as plein de virages comme ça. Ouais. Alors, mon parcours, il a été, encore une fois, mêlé de plein de trucs. J'ai commencé en autodidacte, tout simplement parce que j'ai commencé vraiment en 2004. Et en 2004, il y avait très, très peu d'informations sur Internet. C'est pas comme maintenant où on a énormément de contenu. Mais en 2004, il y avait très peu de blogs, il n'y avait pas beaucoup de chaînes YouTube. Apprendre dans des bouquins, ça me paraissait pas évident. Je me sentais pas la personnalité d'aller en club photo. Donc vraiment, j'ai galéré pendant des années. Je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de former aussi. De dire, moi, je me suis retrouvée seule pendant très longtemps et j'ai galéré pendant énormément d'années. Donc, je sais ce que c'est et c'est bien si j'aide des gens à ne pas galérer autant que moi. Donc, beaucoup d'investissements personnels. Et puis après, quand mon entreprise a commencé à décoller un petit peu, j'ai eu envie, en fait, d'avoir mes diplômes officiels de photographe. Donc, j'ai étudié avec le CNED à distance. Il y a des diplômes officiels de photographe. Tu m'apprends un truc là. Voilà, donc en fait, j'ai officiellement mon CAP photographe qui n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que ça a été fusionné en bac pro de 3 ans, mais j'ai passé en fait les épreuves du CAP avec les élèves de 3e, en fait, la dernière année d'existence du CAP. Donc, j'ai passé encore les épreuves à la chambre photographique, en développement argentique, tout ça. Donc, je suis contente quand même de l'avoir fait, d'avoir passé mes épreuves officielles. Et puis, quelques années après, j'ai validé mon bac pro avec un dossier de VAE. Voilà. OK. Et pour toi, pourquoi c'était important d'avoir un diplôme?
Parce qu'en fait, j'ai eu l'impression, j'étais vraiment une très, très bonne élève, une grande facilité dans mes études. Et quand j'ai passé mon BTS, même si c'était mon plan B, parce qu'un BTS agriculture, environnement, ce n'était pas ce que je voulais faire, je me suis retrouvée première de la classe avec un dossier en or et tous les profs me disaient, tu dois retourner en fac, tu dois faire une école de vétérinaire, tu dois faire une école d'ingénieur. Enfin, ils voyaient que j'avais énormément de potentiel. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu la sensation peut-être de gâcher un potentiel et de ne pas être sûre de prendre la bonne décision. Et du coup, je crois que j'avais ce besoin de continuer à apprendre, de continuer à étudier de repasser, en fait, même que ça soit juste le CAP et le bac pro photo, ça a répondu à ce besoin, quoi. Est-ce que tu le conseillerais? Non. Allez. J'ai des arguments. Vas-y, allez. Alors, je ne sais pas si les programmes ont changé à l'heure actuelle, sauf que le contenu du CAP, c'était énormément de théories d'optique, des théories sur l'histoire de l'art, c'est toujours intéressant. C'est cool. La théorie sur, ouais, voilà. Mais le problème, c'est que une fois le CAP photo passé, par rapport en fait à la réalité du métier de photographe sur le terrain, eh ben ça n'apporte rien. Rien. Les personnes, les élèves, en fait, qui sortent d'un CAP photo, pour moi, ne sont pas du tout formés à faire le métier de photographe. C'est, okay. C'est juste ça, la réponse. Donc, alors peut-être parce que c'était un CAP, le bac pro, je l'ai passé par la VAE, donc je n'ai pas eu les cours du bac pro, mais j'espère en tout cas que les élèves de bac pro maintenant ont beaucoup plus de notions en termes aussi de création d'entreprise, d'entrepreneuriat, tout ça, parce que la plupart des photographes de maintenant sont quand même destinés à être photographes indépendants. Donc, si c'est juste former des techniciens à l'optique, ça va être compliqué, quoi. Carrément. Bah, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a plein de nouveaux et du coup, bienvenue à tous pour vous dire que sur la chaîne YouTube de Adobe, on fait des sessions qui parlent de business, de démarchage, de comment faire un portfolio, comment le démarcher à des clients et tout. Et ça, c'était une vraie volonté de ma part. Genre, j'ai dit, genre, faut qu'on ait des sessions comme ça et pas juste des trucs artistiques et créatifs pour aider les free, en fait. Parce que, donc là, si vous cherchez des contenus, des choses comme ça, on a plein de choses. C'est hyper rare en français. Donc, c'est pour ça, j'y tiens. Dans la chaîne, on a quelques sessions comme ça, quelques pépites. Donc, n'hésitez pas. Si vous en voulez plus, envoyez-moi un petit message avec des gens que vous voudriez qu'on reçoive. C'est possible aussi. Donc, voilà. Et pour moi, ça partait exactement de cette volonté de photographe, graphiste, illustrateur, machin, c'est bien. T'as des écoles merveilleuses qui te font un portfolio de ouf. Une fois que tu sors, mais c'est bienvenue dans la guerre. Voilà. Donc, on a des trucs ici. On essaye de se soutenir entre créa. Je trouve ça hyper important. Voilà. Du coup, je sais plus où on en était, mais voilà. Voilà. Non, mais excuse-moi. Il y a une petite question de René qui dit, quel est le lien entre Pauline et Empara? Aucun. Aucun. T'as pas une formation Empara qui va venir Non. Allez. On a reçu quelques créas d'ailleurs qui ont fait des formations en para. Je ne sais pas s'ils font des nouvelles choses, mais c'est vrai que c'est vrai qu'ils faisaient. Je venais en para, mais j'ai rien fait avec eux. Ouais, bah écoute, voilà. Tiens, il y a Camille qui nous dit, moi j'aime bien le travail de Pauline et je suis très impatiente de l'entendre sur le déroulé de son travail de photo très graphique. On a trouvé notre transition parfaite. Merci. Allez. Camille. C'est parti. Alors, montre-nous notre. Peut-être ta série préférée. Oh non, j'en ai pas. Bah allez, c'est comme les enfants, on dit non, mais en vrai, il y a forcément un préféré. Non, vraiment pas. Là, par contre, vous voyez les 5 qui sont en cours, et je peux vous dire un mot quand même sur chaque et vous dire ce que j'aime dans chaque. Quand même. Allez. Allez. Donc la première, que j'ai appelée le portrait graphique, alors c'est un titre très très généraliste, parce qu'en fait quand j'ai commencé celle-ci, je ne savais même pas que j'étais en train de faire une série, et comme il fallait que je lui donne un nom, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire des portraits graphiques, alors je l'ai appelé le portrait graphique. C'est nul hein, ça, mais en fait, voilà, ça a son histoire. Donc, pourquoi j'aime cette série? Parce que c'est la toute première, les toutes premières photos que j'ai faites, c'est celle-ci. C'est une série qui est hyper, hyper humoristique, que j'ai pas terminée et sur laquelle je prends encore beaucoup, beaucoup de plaisir à créer, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être une petite gamine qui crée un nouveau personnage pour son univers. Et ouais, ça, elle m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir.
la défile un petit peu comme ça. Ouais, on les regarde là. Quand est-ce que tu sais qu'une série est terminée ? Je sais pas, parce que je crois que j'en ai encore terminé aucune. D'accord. Donc ouais. C'est work in progress. Exactement. Et en plus, je suis d'une personnalité qui n'aime pas terminer les choses. Parce qu'en fait, quand on dit terminer, ça veut dire que c'est définitif, alors que je crois que j'aimerais toujours créer de temps en temps un petit portrait graphique comme ça. C'était qui l'artiste qui avait dit genre l'art, c'est jamais fini, c'est juste abandonné ? Tu vois, une peinture, c'est jamais fini. Ouais, j'en sais rien, mais c'est... de toute façon, c'est dur. Hein. Pour en arriver là, pour arriver en fait à ce style en noir et blanc graphique, j'ai dû abandonner plein de choses parce que bien évidemment, je ne suis pas passée de la photographie de mariage à ça directement. J'ai fait plein de tentatives de plein de choses, notamment en couleur. J'ai fait pas mal de choses en couleur aussi. Et à un moment, j'avais trop de choses différentes et pour bien communiquer dessus, il fallait que mon message ou mon style se simplifie. Et j'ai dû en fait, j'ai fait le dur choix de mettre de côté toutes les séries en couleur que j'avais débutées. Et attends, ça m'intéresse. Donc toi, tu dis que ça, en fait, le fait d'avoir un style qui soit identifiable comme ça, c'était une stratégie pour te faire reconnaître. Ouais, d'une certaine façon. En fait, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps et il y a une personne qui est venue me voir à la fin de la conférence en me disant « En fait, vous avez défini votre style photographique comme l'aurait fait un chargé de com pour une entreprise et une identité visuelle de quelque chose. » Intéressant. Attends, j'ai plein de questions. Mais du coup, oui. Est-ce que tu te sens enfermée parfois dans ce style ou est-ce qu'il te libère ? Est-ce que tu vois, tu ne dois pas envoyer tout péter dans 3 mois et faire que des trucs en couleur ? Comment tu fais pour avoir cette... Il y a 4 questions, il y a déjà. C'est parti, pardon. Bon, je m'arrête là parce qu'il y en a 12 encore. C'est quoi la première ? La première, c'est est-ce que tu ne te sens pas enfermée dans ton style ? Tu vois, est-ce que ça ne te fait pas peur de rester enfermée dedans ? Alors pour l'instant, non. Mais en même temps, ça fait que 3 ans, donc je ne sais pas comment ça peut évoluer. Tu n'as pas peur de te réveiller un jour et dire « Putain, j'ai envie de mettre des couleurs partout. » Mais si ça arrive, je crois que je le ferai quand même. Ok. Est-ce que tu penses que la contrainte, c'est un bon moyen d'être plus créatif ? Alors, c'est compliqué parce que la contrainte, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de négatif. Alors que pour moi, la contrainte, c'est comme un moyen de m'amener à développer plus en détail un sujet. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, carrément. Carrément, c'est vrai. Parce que du coup, tu as moins à te focus sur d'autres choses. Tu as déjà comme une route qui est tracée devant toi. C'est ça. C'est qu'en fait, finalement, une fois que j'ai pris la décision de me concentrer sur le noir et blanc et sur ce style de portrait, je me suis... comment dire, je me suis défini un cadre. Et alors qu'avant, si tu veux, je m'autorisais à travailler dans tous les sens. Mais le problème, en fait, de travailler dans tous les sens, c'est qu'une fois, je faisais une photo en couleur avec de la peinture. Une fois, je peignais sur une photo. Une fois, je faisais un truc un peu d'illusion d'optique. Et au final, quand je regardais mon portfolio, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je prenais de moins en moins de plaisir à travailler dessus parce que j'avais l'impression de totalement m'éparpiller. Et c'était sympa parce que c'était sans limite et je pouvais faire ce que je voulais, mais en même temps, c'est ça qui m'a plus épuisée qu'autre chose. Faire ce que je veux, finalement, c'était aller dans tous les sens. Et quand je me suis dit, je vais me cantonner à ça et je vais essayer de travailler là-dedans, ça m'a apporté beaucoup plus d'intérêt parce que j'ai trouvé ça vraiment challengeant, je ne sais pas comment on peut dire. C'était un challenge, bref, on s'en fout. le challenge de dire, je vais vraiment créer un univers cohérent. Et c'est devenu en fait un nouvel objectif plutôt que de faire de la photo, c'était vraiment de créer un univers, tu vois. Et là, je suis encore là-dedans parce que si on va voir mon compte Instagram, c'est un univers. Si on est là sur mon site internet, c'est un univers. Et à chaque fois que je suis en conférence ou autre, là, on ne le voit pas trop, mais je suis tout le temps habillée en noir et blanc et j'ai une garde-robe hyper graphique et tout parce que ça va avec. Et même mon studio est tout en noir et blanc. Et du moment où je me suis dit, je vais créer un univers et je vais aller au plus loin possible dans cet univers-là, j'ai pris finalement beaucoup plus de plaisir. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui s'applique à
je pense aux gens qui nous regardent et qui sont peut-être dans cette phase de rechercher leur style et de savoir qui ils sont. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui s'adapte à ta personnalité ou ça peut être une recette qui s'applique à d'autres gens aussi, tu vois ? Est-ce que c'est bien pour tout le monde ? Ah, ça, je dirais que ça dépend des personnalités. En tout cas, pour la mienne, ça a été magnifique, quoi. Je pense en fait que ça peut être utile à toutes les personnes qui se cherchent. Je sais qu'il y a énormément de photographes qui font aussi des photos, plein de photos, et qui pensent ne pas avoir de style. Et au final, moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir après à photographier, à faire des projets, quand j'ai eu l'impression de le comprendre, mon style. Et je n'avais pas l'impression, tu vois, de faire de la photo par hasard et de voir ce que ça va donner, mais de travailler à un vrai projet, tu vois. Ce cadre. Voilà. Et donc, du coup, les personnes qui ressentiraient un petit peu ça, de se dire, je fais de la photo, mais j'ai l'impression d'aller nulle part, je ne sais pas où je vais, ça n'a pas de sens, tout ça. Ben, le fait de faire des choix, de mettre de côté certaines photos, de se concentrer sur d'autres, je pense que ça mène un cadre qui permet d'aller plus loin et de se booster et de se trouver en tant que photographe. Oui, carrément. Du coup, comment tu as réussi à faire ce choix, tu vois, de dire, genre, bon, bah, c'est noir et blanc, des portraits, ce cadrage-là. Je pense non, je ne trouve pas le mot. Bah, en fait, j'avais vraiment... Alors, je ne sais pas si... Je peux aller rechercher un document, là, monsieur le technicien. Ouais, vas-y, t'inquiète pas. Il y a Niki qui nous dit « La contrainte est souvent un challenge. » Bah ouais, carrément. Joël qui nous dit « Une vraie source d'inspiration. » Denis, une imagination débordante qui ne s'arrête pas. Il y a plein d'amour. Hein. Mais j'ai une communauté magnifique. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, hors du début, mais là, par exemple, c'était mes photos de mariage. Donc, ouais. On voit un petit peu dans quel style j'étais. Rien de particulier, hein, parce que là, maintenant, dans la photographie de mariage, on a plein de styles qui sont apparus, comme le moody, des choses. Oui, c'est ça. Il y a plein de retouches, les couleurs sont assez naturelles. Ouais. Donc, moi, j'étais vraiment la photographe de mariage très classique, en faisant un travail honnête, propre, mais bon, rien de particulier. Après, j'ai tout cet univers-là de portraits où, justement, j'étais connue pour la couleur. Ça qui est très marrant. Okay. Ah, c'est marrant. Puisqu'en fait, j'adore la couleur. J'adore voir l'évolution des gens. Tu vois, c'est trop cool que tu nous montres ça. Voilà, donc ça, là, j'adore vraiment la couleur et j'aime toujours la couleur. Et quand je ne suis pas en live ou en conférence, j'ai des vêtements colorés parce que j'adore la couleur. Voilà. Ensuite, je m'échappe du diapo. Je vous montre vraiment ce qui est intéressant. Là, hop. Voilà, donc ensuite, j'ai fait tout un tas de projets différents. Donc ça, c'était une première recherche sur tout ce qui est texture, noir et blanc, tout ça. Et là, par exemple, sur ce shooting-là, j'ai recouvert mes modèles de Nutella. Ouh là là. Ça sentait très bon le chocolat dans le studio. Voilà. Après, j'ai refait, mais avec du terreau pour avoir une autre ambiance. C'est stylé. Voilà. Après, j'ai fait pas mal de choses sur la déformation, donc tout ce qui était un peu illusion d'optique, déformation, caricature. Donc là, je dis un petit peu inspiration de tout ce qui est caricature. J'adore ça. Surtout, j'adore les dessinateurs. Qu'est-ce qui se met en place là ? C'est hyper marrant. Après, j'ai fait des choses un petit peu humoristiques, publicitaires. Voilà, ça commençait à arriver. Là, j'ai fait tout un travail où j'ai mélangé de la photo et de la peinture. Donc là, c'était des photos qui étaient imprimées et sur lesquelles je venais peindre directement. Voilà. Et tu vois, tu l'as trouvé ta carrière de peintre finalement. Mais tu vois, j'ai pas choisi de la... Celle-ci, je l'ai arrêtée. J'ai choisi de l'arrêter. Donc là, on reconnaît mes inspirations, la Picasso, Bernard Buffet, Frida Kahlo. Voilà, c'est des choses que j'adore. Ensuite, j'ai peint, moi, sur les visages directement. Ah, donc, c'est beaucoup d'exploration. Ouais, voilà. Beaucoup de recherches, mais toujours, en fait, dans le graphisme. Le graphisme, les formes, les contrastes.
Il y a toujours, comme on dit, le style d'un photographe se définit un peu par ses obsessions. Et moi, je crois que j'ai cette obsession du graphisme, peu importe la forme que ça prend, que ce soit de la couleur, du noir et blanc, ou même quand je fais de la déco chez moi, ou dans mon jardin, on retrouve cette obsession du graphisme. Toujours. C'est quoi qui s'appelle graphisme ? C'est dur à dire, mais tu vois, un jeu des couleurs, un équilibre, une symétrie, un contraste. Mais toujours quelque chose de très équilibré, de très propre. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué à définir le graphisme. Ok. Enfin, le graphisme, selon toi, c'est pour ça que je suis curieuse de savoir ce que... Je sais. On a une petite barre sur l'écran, on me dit, mais c'est pas grave. Voilà, on va la laisser. C'était inspiration street art, donc ça, c'est pas moi, hein, inspiration street art. Là encore, c'est peint sur un visage avec un carton que j'ai peint, que j'ai mis à l'arrière. Donc là, j'ai peint les cheveux aussi. Enfin, il y a eu toute cette période-là. Là, c'était vraiment de l'illusion d'optique entre, encore une fois, le dessin, mais plus un dessin au fusain et la photo. Ouais. Donc là, c'était un autre type de maquillage. Donc voilà, plus dessin fusain. Donc j'ai fait la même chose sur mon conjoint. Ah. Et là, voilà, on commence à avoir les premières photos qui ont composé en fait mes futures séries. Et là, je dis plus, j'ai commencé à toucher un petit peu à des photos qui pourraient représenter des sculptures. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, là à gauche, c'est mon meilleur ami. En fait, lui, il est hyper complexé par son nez, mais moi, j'adore son nez et je lui ai fait un profil parce qu'il me faisait penser à ça. Ah, c'est trop cool! Tu vois, les espèces de grecs au grand pif. Ah, donc, pareil, à droite, c'est une modèle que j'ai totalement bombée en or. Pour faire sculpture. Comme bombe. Comment ? T'as utilisé quoi comme type de bombe de peinture ? Je sais pas si je peux le dire. Ah, ça dépend, elle est encore vivante ou pas ? Elle est vivante et elle n'a pas fait d'allergie, tout s'est bien passé, donc c'était de la peinture pour meubles. Ah ouais, d'accord. Bon, on ne recommande pas la peinture pour meubles sur vos modèles. Voilà. Moi, je me dirais peut-être, tu sais, il y a des bombes alimentaires. Ouais, mais non. Mais en fait, le truc, c'est que je n'avais pas acheté la bombe pour faire la photo, mais pour un meuble. Et en fait, cette photo-là, on l'a faite juste après celle-ci. Donc, il y avait cette première base en dessous. Ok. Donc, ce qui donne un petit peu l'effet, tu vois, Ferrero Rocher, là. Ok, d'accord. On commence à arriver dans des choses un petit peu graphiques, des choses un petit peu plus mode. Et puis, les inspirations qu'on retrouve plus en ce moment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout ça dans mon portfolio. Un portfolio qui ressemblait... Un portfolio qui ressemblait à ça. Donc, c'était pas déconnant. On ressentait qu'il y avait du comme je te dis, une recherche graphique un peu partout. Mais en même temps, tu vois, si j'arrive quelque part et qu'une personne me dit tiens, tu fais quoi comme photo ? J'étais obligée de dire moi, je fais des photos graphiques en couleur, en noir et blanc. Je peins sur des photos, je peins sur des corps. Des fois, c'est humoristique, des fois, c'est mode. Enfin, voilà. En gros, le message, il était trop compliqué. Et quand on veut, quand on veut se faire connaître, en fait, quand j'ai compris que j'étais en train de faire un travail un petit peu unique qui pouvait trouver sa place, je me suis dit, ça vaudrait le coup quand même d'essayer d'aller plus loin. Et quand j'ai essayé de me faire connaître, je me suis dit, il faut vraiment que je simplifie mon message, il faut que je simplifie mon travail. Et moi, pour être plus productive et aller plus loin sur un projet, il fallait que je limite les projets, quoi. Donc on était à peu près sur ces 6 séries-là. Il y avait la série noir et blanc, la série peinte sur des photos, la série déformation, la série dessin fusain, la série peinture sur visage et la série texture. Et du coup, j'ai choisi de garder celle-là. Alors tu vas me dire pourquoi. La première que j'ai choisi de mettre de côté, je crois que c'est les textures, parce que j'ai déjà vu ça plein de fois. Il y a plein de photographes qui ont déjà fait des corps en noir et blanc un peu texturés, donc moi ça m'intéressait pas de faire des choses qui existaient déjà, donc j'ai supprimé celle-là.
Après, j'ai supprimé tout ce qui était un peu caricature, tout ça, parce que c'est rigolo, mais est-ce que je me voyais faire ça, décliner ça sur plein de photos? Non. Après, j'ai supprimé, je crois, celle-ci, parce qu'il y a un photographe qui s'appelle Sébastien Belgrosso, qui avait fait une série où il mélangeait justement le dessin et la photo. C'était Sketch Life, ou je ne sais plus exactement le nom de sa série. Mais pareil, comme ça avait déjà été fait, ça ne servait à rien. Voilà. Et puis ensuite, pour la même raison, j'avais supprimé celle-là, parce qu'il y a énormément de photographes aussi qui peignent déjà sur des gens. Je pense à Alex Hamid, par exemple, qui avait fait aussi le clip pour Ariana Grande, tout ça, qui peint sur des corps, qui peint sur des décors et qui fait juste des choses génialissimes. Et puis ensuite, bah, il m'a resté ces deux-là et j'ai choisi de m'orienter plus sur le noir et blanc parce que celle-ci, le concept de prendre la photo et de peindre sur la photo, j'avais pas l'impression d'être totalement photographe et je voulais rester photographe. Donc du coup, bah, celle-ci, elle est devenue comme une évidence. Et je me suis dit, vas-y Pauline, tu supprimes tout le reste, tu arrêtes tout le reste. Donc, j'ai supprimé tout le reste de mon site internet, tout le reste de mes réseaux sociaux, tout. Et je suis repartie, paf, juste avec ces critères-là, quoi. Voilà un petit peu le cheminement, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, parce que quand on voit juste le résultat, on se dit, waouh, ok, c'est hyper contraignant. Mais finalement, ouais. Quand on en parle, ça paraît assez logique. Tu vois, ça me semble des décisions. Après, c'est des décisions qui sont hyper... réfléchi où tu avais beaucoup de recul sur ton travail. Comment tu as fait pour avoir ce recul sur ton travail à toi ? Je pense que tu vas peut-être rigoler, mais je me définis souvent comme un arbre. Et pour moi, tous les photographes doivent être des arbres. C'est-à-dire que, surtout le photographe, on va dire professionnel, c'est qu'on doit avoir des racines bien ancrées dans le sol pour savoir gérer l'entreprise, être bien rigoureux, être bien organisé. Mais on doit avoir les branches et les feuilles vers le ciel pour avoir toutes les idées et puis ce côté un petit peu créatif. Et du coup, je crois que j'ai conservé ce trait de caractère-là dans ma photographie artistique où à un moment, tu vois, j'ai produit beaucoup, j'avais les branches tournées vers le ciel et à un moment, je me suis dit remets-toi dans tes racines, prends du recul et réfléchis pour savoir là où tu vas, quoi. Ah, je ne sais pas si la métaphore est OK, mais c'est un peu oui, ça. Oui. C'est hyper intéressant. Du coup, à partir du moment où tu as choisi ce style, qu'est-ce qui t'est arrivé et est-ce que ça a débloqué des choses professionnellement ? Oui, professionnellement, oui. Alors, ça a été quoi les conséquences de ce choix, tu vois ? Alors, les conséquences de ce choix, c'est que je me suis mise à créer plusieurs séries dans cet univers-là, donc toutes ces séries-là. Et j'ai commencé en fait à publier toutes ces photos-là, notamment sur Instagram. Et au bout de, c'était 3 ou 4 mois à raison d'une publication de photos par semaine où j'ai été repérée par le premier festival photo, quoi. Et que j'ai été exposée un mois après aux côtés de super grands photographes et où ça a été le début de tout ce qui s'est passé après, quoi. Donc, le fait finalement d'avoir renoncé, parce que c'est vraiment ça, j'ai renoncé à plein de photos que j'aurais pu faire pour me concentrer sur un axe, ça m'a permis de développer justement cette fameuse identité visuelle forte et unique qui a été repérée très rapidement et qui a vraiment un effet boule de neige depuis 3 ans puisqu'il s'est enchaîné énormément de choses pour moi après, quoi. Et écoute, c'est hyper fort. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que la recherche de trouver son style et tout, c'est une question qui revient souvent, tu vois, quand on construit son portfolio. Du coup, c'est hyper intéressant que tu nous partages ça en détail. Franchement, c'est hyper chouette. J'ai l'impression que ton chemin, il est très, très clair aussi, tu vois, à l'intérieur de toi, les étapes pour en arriver là. Ouais. Est-ce que je pense que est-ce que c'est le fait d'enseigner qui t'a permis d'avoir une clarté sur ton chemin aussi Je sais pas, peut-être. Après, je pense que c'est un trait de mon caractère aussi. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, peut-être trop, qui a des nuits courtes. la nuit, souvent, je me réveille et puis je parle à mon téléphone pour enregistrer une idée ou un truc, sinon je me rendors pas. Donc, si tu veux, j'aime bien... Enfin, pour moi, la démarche artistique,
elle doit être libre. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'amène aussi à beaucoup l'intellectualiser, la cadrer, la réfléchir, l'organiser. Et je ne sais pas si il y a beaucoup de photographes qui résonnent comme ça, mais moi, il y a cette partie artistique, mais il y a cette partie très rigoureuse, très, très organisée derrière, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a, ouais. C'est mon esprit, comme ça. Rigoureux sur quel plan ? Je dis rigoureux, mais toi, structuré. Je structure mes idées, mais du coup, je structure mes photos, je structure mes séries. Tu vois, par exemple, si j'écris un texte, peu importe où il sera, le texte, il sera justifié. Il faut toujours qu'il soit justifié. C'est une partie de ma personnalité un peu perfectionniste, tatasse, où tout doit être propre et clair et défini. Ouais, c'est marrant, ça se ressent vraiment dans tes images, en fait. C'est assez fou. C'est deux côtés, tu vois. Le côté fou, mais le côté précis et structuré. Qui est très... Ouais. C'est un contraste, en plus, mais... C'est comme ça. Paradoxe. Bah écoute, non, mais ça se ressent vachement dans ton travail, en fait. Ça se voit vraiment. Camille qui nous dit discussion super intéressante. Oui, c'est trop cool. J'ai plaisir. On attaque fort le lundi, là. On est au taquet. Trop bien. Alors moi, j'ai plein de questions encore. Je pourrais débattre d'inspiration et de choses toute la vie parce que c'est un peu ma passion de l'existence. Mais est-ce qu'on ne rentrera pas un petit peu dans ton process technique ? Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup voir un peu les making-of, comment ça marche aussi. Donc je pense qu'on leur doit un petit peu ça aujourd'hui. Bon, avec bon, sinon, tu reviendras, on a plein de trucs à raconter. Donc, Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Quand je vois l'heure, en fait, ça passe très bien. Ouais, non, ça passe super vite. Donc c'est pour ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, nous partager peut-être un petit peu plus l'aspect technique. Moi, tu vois, je suis toujours... Parce que la photo, tu peux pas enlever l'aspect technique de la recherche de style aussi, tu vois. Voilà, du coup, maintenant, moi, je pense que tout le monde a vu un petit peu comment je me suis... Enfin, d'où je suis partie, comment ça s'est fait dans ma tête, et comment je suis arrivée à là, et que ça s'est pas fait par hasard. Et ça, c'est vrai que c'est important aussi, quoi. Totalement. Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, ben, t'as fait ça comme ça !» Non, j'ai pas fait ça comme ça. Moi, ma préférée, c'est « Oui, mais c'est facile pour toi. » Celle-là, je oui. Et croyez-moi, quand j'ai renoncé à mes autres projets, franchement, c'était en été 2019, j'ai badé. Hein. J'étais triste parce que je mettais de côté plein de projets qui venaient de moi. Et même mon mari, il m'a dit « Mais t'es en train de retirer tout sur ton site internet et tout. T'es en train de tout supprimer. T'es sûr que tu fais pas une erreur ?» J'ai dit « Non, je suis pas sûre, mais je sens qu'il faut que je le fasse. » Donc, je l'ai fait. Mais c'était pas simple. C'était vraiment pas simple. Rappel, quoi. Ouais, fallait faire de la place, quoi. Ouais, exactement. Fallait faire de la place, fallait structurer pour mieux avancer, quoi. C'était ça. C'est hyper intéressant. Hein. J'espère que ça vous aide, cette petite conversation-là. Bessin, il dit « Cool. Ouais. » Alors, pour rentrer dans mon process, j'ai déjà commencé par vous montrer ça. Donc, je suis une photographe qui fonctionne avec des croquis, puisque je suis une photographe qui fait des photos construites. Donc, on n'est pas du tout sur de la photographie spontanée où on attend de voir ce qui se passe. Moi, tout est construit à l'avance dans ma tête parce qu'il faut que je prépare les accessoires, il faut que je prépare les maquillages, il faut que je trouve les modèles qui correspondent. Donc, c'est forcément réfléchi. Donc, je travaille avec un petit carnet de croquis. Je dessine très, très mal, comme vous voyez, mais le tout, c'est d'avoir les idées. Donc, ça ressemble à tout ça. Par exemple, celle-ci, elle a été faite, elle existe déjà. Je pourrais vous la montrer. C'est celle-là. Ouais. C'est celle que j'ai. Celle-ci, elle existe aussi. Celle-ci, la Catwoman, elle est en cours. Là, je pourrais vous montrer. J'ai mis tout un tas de bazar à côté de moi. Parce qu'en fait, je fais tout moi-même. Donc, par exemple, j'ai acheté un masque de Catwoman, mais je l'ai peint. Okay. Pour que ça soit noir et blanc, parce que tout noir, ça servait à rien. Et puis, j'ai créé des petites moustaches que je vais me coller sur les côtés, donc avec des pics à brochettes et puis une petite balle en polystyrène. Voilà. Je crée beaucoup, beaucoup d'accessoires aussi, parce que les accessoires dont j'ai besoin, ils ne sont pas en vente. Donc, ça fait partie du process aussi. Et puis, les croquis servent aussi à ça, à avoir ce dont j'ai besoin. Voilà, il y a des choses qui sont en devenir. Par exemple, j'ai un projet de faire une série avec des chiens. Ça, j'ai pas encore commencé, mais c'est là. Voilà, là, il y a plein de... Voilà à quoi peut ressembler mon carnet de croquis. Le cerveau qui déborde d'idées, quoi.
Voilà. Et le carnet de croquis, moi, je vous le conseille aussi si vous voulez faire de la photo un peu créative ou construite pour balancer toutes vos idées. Voilà. Moi, comme je suis une personne créative, j'ai des idées très régulièrement, mais je ne suis pas non plus une photographe qui va être polluée ou qui va mal vivre sa créativité. Parce que, alors, je ne sais pas toi, mais moi, je vois très souvent des photographes qui disent « Ah, j'ai trop d'idées. Ah, ça, je le vis mal. Ah, ça... » Enfin, qui le vivent mal, alors que moi, je le vis très bien d'avoir des idées. C'est cool d'avoir des idées. Il y a des gens qui vivent mal d'avoir trop d'idées. Il faut qu'on parle là, il faut que tu me les présentes et qu'on ait une discussion, ça me fascine trop. Moi, je suis fascinée par les gens qui n'ont pas d'idées. Je suis là, mais comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y en a 12 à la seconde. Mais tu vois, ceux qui le vivent mal, j'ai pas encore rencontré ce... Envoyez-moi un message si vous vivez mal vos idées. C'est comme la caricature de l'artiste qui doit être malheureux pour créer. Ah, moi, ça m'énerve. Mais... Parce que moi, tu vois, je suis hyper heureuse dans la vie, quoi. Donc... Oui, je sais, voilà. Et encore, attends, toi, tu fais des photos joyeuses. Imagine, moi, avec mes photos cheloues, tu vois. Ouais. J'en ai tout... C'était obligé que je sois, tu vois. Non, mais c'est marrant. Ouais, tous les clichés sur la créativité. J'adore les discussions sur la créativité. C'est ça. Et bon, du coup, je vis très, très bien ma créativité. Et quand j'ai une idée, plutôt qu'elle reste dans ma tête, j'ai un carnet de croquis ou j'ai un téléphone et je parle à mon téléphone. Comme ça, l'idée, hop, elle est partie. Elle est écrite. Donc, ça veut dire qu'elle existe. Voilà. Comme je dis, le carnet de croquis, ça sert juste à formaliser un truc qu'on a dans la tête. Parce que tant que l'idée, elle est dans la tête, elle n'existe pas. Quand elle est sur le carnet de croquis, elle existe. Donc, oui, ça vide un peu le cerveau. Ça fait de la place aussi, quoi. C'est ça. Donc, c'est hyper cool. Et puis, ça fait des souvenirs. On voit comment on évolue. Enfin, j'adore les carnets. Hein. Je fais du bullet journal, du journaling. Enfin, tous ces trucs-là, je suis une fan de carnets. Et donc, à partir de tous mes petits croquis, alors des fois, je fais un croquis et je vais faire la photo dans la semaine. Et des fois, je fais un croquis et je vais faire la photo dans un an. Ça dépend de comment je me sens, de ce que j'ai envie de faire à l'instant où on est. Et puis, il y a des photos qui sont simples à mettre en place et il y a des photos qui nécessitent justement la conception d'accessoires. Et là, ça me prend plus de temps. Donc, je vous ai montré le petit truc de Catwoman, mais j'en ai d'autres, des choses un petit peu rigolotes d'ailleurs. Par exemple, j'ai cet accessoire-là. C'est une boule de polystyrène. À la base, c'est une grosse boule qu'on achète chez Cultura ou quoi. Et en fait, tu prends la moitié et puis j'avais fait un chapeau avec ça. Et tu vois, je sais pas si on voit toujours mon écran, mais c'est la photo du milieu. C'est trop marrant. Voilà. Et en fait, quand on regarde de près, hein, c'est très très moche. Hein. J'ai fait les ronds avec des verres et j'ai peint dedans, mais en associant un côté système D et puis un post-traitement un peu propre, on arrive à des résultats sympas. Et ça, c'est pour toutes les personnes des fois qui disent on n'a pas de moyens ou quoi. Ça, je l'ai acheté, je sais pas, 2 € chez Cultura. Je l'ai peint et c'est une photo qui finit en couverture de magazine. Donc il n'y a pas besoin de grand chose, quoi. D'autant plus que, tu vois, quand j'ai commencé à faire cette série-là, je n'avais pas encore de studio et j'ai fait tous les premiers portraits dans mon salon. Et tous les fonds blancs, en fait, c'était des portraits serrés parce que le fond, c'était la porte. Donc, en fait, comme la porte n'était pas large, j'ai commencé à faire du portrait serré parce que j'avais cette contrainte d'une porte étroite. Écoute, c'est trop cool. Moi, ça me parle grave. J'ai l'impression qu'on a... En fait, c'est la première fois qu'on se parle en vrai, mais... On a exactement la même démarche et tout. Je trouve ça trop marrant, quoi. C'est hyper cool. Faites les choses vous-même. C'est plus important que la technique. Avoir des idées et se débrouiller avec ce qu'on a. Ah. Par exemple, je vais vous montrer autre chose. Parce qu'en fait, toutes mes photos, il n'y a aucun montage. Donc, en fait, tout ce que vous voyez, ça a été fait à la prise de vue, toujours. Donc, par exemple, la Lisa Simpson, là, du milieu, c'était du carton plume, comme ça. Hop. Voilà, pareil, un petit carton plume découpé, peint. Et puis, au milieu, c'est des balles de ping-pong avec des allumettes piquées dedans. Ok. Et du coup, tu fais beaucoup d'autoportraits ? Pratiquement que ça. Ah ouais ! Par exemple, tu vois, la première ligne, là, c'est que de l'autoportrait. D'accord. Ça, c'est moi, ça, c'est moi. L'espèce de Batman Joker, là, c'est moi. La pin-up en dessous, c'est moi aussi. La ligne en entier, là, c'est moi. Ah ouais, c'est marrant, j'aurais pas dit que c'était des autoportraits, tu vois. Si. Bah, ça t'apporte quoi que ce soit des autoportraits ? La simplicité.
En fait, si tu veux, bah comme je dis, j'habite en Normandie, dans un territoire qui est quand même assez rural. Et en fait, déjà, il n'y a pas grand monde autour de moi. Et comme je n'aime pas trop prévoir à l'avance mes shootings, tu vois, j'ai tous les accessoires de prêt, mais il faut que j'ai envie de shooter pour shooter. Voilà. Comme mon métier, c'est vraiment la formation, en fait, tout cet aspect de travail artistique, je le fais sur mes heures, sur mon temps libre. Donc, ça va être soit les soirs, le dimanche, pendant des pseudo-vacances. Donc, en fait, je le fais vraiment quand j'ai envie de le faire. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus simple le dimanche soir quand je me dis, tiens, j'ai envie de me poser dans mon studio puis de créer. Bah, en fait, je me mets une petite musique et puis je commence à faire un maquillage sur mon propre visage. Et c'est plus simple, quoi. Et puis bah, aussi, quand j'ai commencé, moi, je ne suis pas du tout maquilleuse et je fais tous les maquillages moi-même. Bah, c'était plus simple de me rater sur mon propre visage, quoi, que de faire venir quelqu'un et de dire, bon, bah, excuse-moi, t'es moche. Il valait mieux que ça soit sur moi. Quoi. Et ça y est, c'est plié. Quoi. C'est les autoportraits, c'est hyper cool pour progresser. Vraiment, c'est génial. Ouais. Puis ça m'amuse. Parce que tu vois, j'ai le personnage en tête. Et puis moi, j'adore faire des grimaces et tout. Donc, je rigole de mes bêtises. Hein. Je suis une grande gosse. Hein. C'est hyper cool. C'est hyper rafraîchissant. Ça fait du bien, cette petite session-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois vos petits messages passer. Ah, il y a 100h38. On sent l'expérience qui parle. Des fois, il suffit d'être au restaurant à Douteville avec Pauline pour qu'elle trouve une idée et qu'elle propose de servir de modèle. Je peux vous le montrer, un centaure. Ah, allez. En fait, c'est un de mes élèves. Il est venu et en fait, il est reparti comme ça. Ah, c'est trop cool. Voilà. Coucou, Luc. Allez. Oh, c'est trop bien. Tiens, il y a Céline qui demande avec quoi fais-tu ton maquillage? Alors, pour la plupart des maquillages, c'est ce qu'on appelle du fard à l'eau. C'est vrai que je ne l'ai pas ramené à côté de moi, là, mais c'est du maquillage, le même principe que les maquillages pour enfants. En fait, c'est des palettes, on prend un pinceau, on met dans l'eau, on tartouille, et puis ensuite, on met sur le visage, quoi. Ouais. Tu te rappelles de la marque? Je crois qu'il y avait un truc de cette forme-là, là, qui sont pas mal, qui fonctionnent. Moi, le tout premier, en fait, comme je ne savais pas trop ce que ça valait, je les avais commandés, je crois, sur Mac Pro, qui était un site un peu professionnel, parce que je voulais des trucs de bonne qualité. Et au final, maintenant, je les commande carrément sur Amazon. Je crois que moi, ce que j'utilise, c'est Grimace. La marque derrière, c'est marqué Grimace. Mais c'est du fard à l'eau noir, en fait, très simple. Très simple. Et puis, sur la plupart des photos qui sont blanches, c'est ma peau. Et le fait au niveau du post-traitement de jouer avec les différents réglages, j'arrive à avoir une peau relativement claire. Quoi. Je sens qu'il va falloir qu'on fasse une deuxième session pour parler un peu de post-traitement, parce que là, on arrive à la fin. Ouais. Et puis en plus, j'ai plein de trucs à côté de moi encore, tu vois. J'ai plein de façons de créer, d'accessoires, de trucs, tu vois, que je colle. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai tout un travail. En fait, dans mon bureau, c'est un atelier, tu vois. Il y a plein de trucs partout et même dans les accessoires, j'ai plein de boucles d'oreilles de toutes les couleurs, de plein de trucs noir et blanc en fait. J'ai plein de trucs noir et blanc partout et puis des lunettes en tout genre. Enfin, c'est la caverne d'Ali Baba quoi chez moi. C'est un truc de malade. Hyper cool, ouais. Du coup, est-ce que tu peux être aussi inspirée par des objets, des choses, tu vois, ou ça vient forcément de ta tête? Ah non, moi, alors, si on reparle vite fait de créativité, il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais comment tu fais pour être aussi créative ?» Alors ça, c'est toujours la grande question, tout ça. Moi, je pense que pour être créatif, notamment en photographie, il faut s'intéresser à plein de trucs en dehors de la photographie. Ah oui, par pitié, j'ai l'impression de t'avoir dit 1000 fois sur les sessions, là, mais carrément, je te suis à 1000%. Voilà, et moi, en fait, je suis une personnalité curieuse et j'adore tout, je m'intéresse à tout. Donc aussi bien, je ne sais pas, à la cuisine, au jardinage, je vais visiter plein de trucs, même quand je ne connais pas pour apprendre. Je m'intéresse vraiment à tout. Et c'est ça qui est bien parce que pour moi, la créativité, c'est être capable de prendre deux de ces références et de les mélanger. Quand je dis référence, je ne sais pas, imaginons, là, moi, mes photos, à chaque fois, ça va être le mélange de... alors, je ne sais pas si, par exemple, celle-ci. En fait, j'ai mon style photographique noir et blanc. Et puis, un jour, je traînais sur Wikipédia et j'ai vu la petite boule Wikipédia. Je ne sais pas si vous voyez le logo Wikipédia. Oui, c'est vrai, la planète. Ouais, c'est une petite planète avec des espèces de puzzles.
en lettres. Et je me suis dit, ah mais oui, je vais me faire une tête Wikipédia. Et la créativité, c'est ça. C'est savoir, en fait, prendre deux éléments, donc notamment, par exemple, un style graphique en noir et blanc, et de prendre une autre inspiration et de l'adapter. Donc ben là, c'était Wikipédia, mais si on retourne dans le portfolio, il y a plein de choses. Ben, ça, c'est le dessin animé Le Mignon. Ah, les mignons. Alors là, tout le monde me demande, bon là, il y a un tout petit peu de montage. Là, j'ai gommé mes mains parce que c'est un bonnet de bain que j'ai tiré sur ma tête. Ah oui, oui. Voilà, et voilà, j'ai écrasé le nez, j'ai tiré, j'ai eu très très mal, mais ça valait le coup parce que j'adore cette photo. J'ai eu des cheveux et... Comme par exemple, celle d'à côté, il y a des gens qui me disent, ah, merci l'outil fluidité. Ben non, raté, parce qu'en fait, c'est mes coudes. Ah, ok! Ah, c'est trop marrant! Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc, ouais, les inspirations, par exemple, ben, celle qu'on a vue tout à l'heure, là, le petit champignon, c'est à l'époque où je jouais à Mario Kart avec mon chéri. J'avais le personnage de Claudette. Ben, tu vois, Claudette, ça devient en fait un portrait un peu mode. Et il faut savoir, voilà, aller chercher partout. Là, c'est Lisa Simpson. Lisa Simpson. Ouais. Dans portrait graphique. Et pour moi, c'est ça la créativité, c'est aller puiser dans tout ce qu'on voit au quotidien pour en fait le recréer d'une autre façon et le mélanger avec autre chose pour recréer quelque chose à soi, quoi. Bah, c'est vrai que là, quand tu nous parles de références qui ont l'air tellement what the fuck, parce que clairement, tu vois, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Et le fait d'avoir ce style qui est tellement contraignant, on voit à quel point c'est important en fait. Si t'avais pas ce truc, ce serait genre, mais qu'est-ce qui se passe sur son portfolio ? C'est vrai, hein. Du coup, on voit à quel point c'est important, ouais. Le fait d'avoir finalement cette contrainte de style, de process, de façon de travailler, ça me permet d'aller chercher n'importe quelle autre inspiration et puis de la faire à ma sauce, quoi. Ouais, c'est hyper... Je comprends, du coup, en quoi ça te libère et tu peux aller chercher des trucs n'importe où, en fait. Je serais super curieuse de voir des avant-après. Est-ce que tu montres tes avant-après de Photoshop ou est-ce que c'est pas trop secret? Vous allez voir que je suis très rapide parce qu'on est déjà en train de déborder, mais je me dis que ce sera un teaser. Une maquilleuse très très nulle. Donc en fait, mes maquillages, ils sont vraiment affreux. Par exemple, je crois que celui-ci, il n'est pas trop post-traité. Si j'avais commencé un petit peu, ou que j'aille en chercher un autre. Pauline, organise-toi. Oui. Toi aussi, tu te parles à toi-même des fois, non? Bah, moi, on n'est pas tout seul en fait à se parler à l'intérieur. Ah. Par exemple, celle-ci, donc il faut que j'aille la retrouver. Alors. Ouais, Niki nous dit c'est captivant et je crois qu'on va voter pour une deuxième session. Levez la main si vous voulez, une deuxième session. Mais j'ai l'impression en plus d'avoir rien dit, tu vois. Alors, celle-ci, elle doit être de 2020. Ouais, ça doit être là. Comment il y a le Centaure 38 qui dit « Oui, c'est du phare à l'eau, mais pour se démaquiller après 2 heures de pause, bonsoir, il faut être patient pour trouver son état. Ah » Je parle pas de l'état de la douche après. De mémoire, Luc, tu m'as dit que tu t'étais démaquillée dans un lavabo, donc ça ne compte pas. Une bonne douche et c'est OK. Donc ça, c'est la photo finale et la photo à la prise de vue. Voilà sur quoi on était. Alors, attends. Hop. Ah, c'est cool. Donc en fait, là, sur ces portraits-là, ils sont peints tout en noir, mais y a bien la peau qui ressort, toutes les petites imperfections. Les poils de barbe, donc tu vois, j'ai une barbe qui était blanche au bout, noire sur les côtés avec pas mal d'imperfections, mais on va dire ma base c'était là, c'était d'avoir un maximum de texture, un maximum de contraste de peau et puis bah, une belle netteté, et puis ensuite j'arrive à ça. Ah ouais, c'est fou. Ah, c'est trop marrant. Ouais, c'est assez dingue ce qui se passe à la retouche. Ouais. Bon, bah, j'ai des millions de questions, donc moi je dis suite au prochain épisode, on va devoir se refaire une session. Avec plaisir, qu'il soit peut-être plus axé Lightroom, Photoshop et ton process technique. C'était hyper cool de parler de créativité. Bon, on a déjà un petit peu débordé, là voilà, on a les mains qui se sont levées pour une deuxième session, donc ah, trop bien.
Bah écoute, je sais, ça me rend vraiment triste de. J'ai l'impression qu'on vient tout juste de commencer, tu vois. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Mais en fait, y a... on ne peut pas déborder. C'est un peu la télé, on se fait couper à 15. D'accord, ça marche. Ouais, non, tu vois. Bon, d'accord. Et bah, du coup, si tu as un truc à rajouter, là, maintenant, tout de suite, un mot de la fin, tu vois, on a encore 5 petites minutes. Mais là, je ne sais pas trop, du coup, si on se fait une deuxième session. Ouais, je pense que ça pourrait être hyper cool de voir le côté plus technique. Je vois que tu as Lightroom, là. Je pense que dans Photoshop, tu dois avoir voilà. Je peux faire une petite mise en bouche en disant que globalement, la prochaine fois, ce qu'on peut voir, c'est le post-traitement et que dans ma façon de post-traiter, je post-traite des photos artistiques à la façon finalement des photographes de mode. Et pour l'instant, je suis une des seules photographes que j'ai vues à post-traiter les hommes, notamment là, ce qu'il y a à l'écran, de la même façon qu'on post-traite les femmes. Et je vois ce que tu veux dire, le côté très, très, très lisse, que en fait, si tu avais la personne en face de toi, ce serait un peu flippant. Tu vois, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu flippant sur les nanas, mais c'est vrai que sur les nanas, on est tellement habitués. Et là, sur les hommes, tout de suite, il y a un côté hyper surnaturel. Putain, c'est hyper intéressant. J'avais pas vu ça de... C'est ça, parce que tu vois, sur les photos, il y a beaucoup de personnes qui me disent « c'est de la photo ou du dessin ?»« Ah, c'est trop lissé !» Mais le truc, c'est que quand on voit la photo, par exemple, quand je fais des grands tirages, toute la texture existe, il n'y a rien de lissé dans mon post-traitement, on pourra le voir la prochaine fois, mais d'une certaine façon, je matifie, c'est-à-dire que je retire toutes les imperfections, mais je n'ajoute rien. Donc, la texture présente sur les photos, c'est la texture qui est prise à la prise de vue. Ok. Il doit y avoir du taf de dingue. Tu dois y passer un temps pas mal. 15 heures par photo. Ah ouais, allez, c'est parti. Allez. Un petit 15 heures comme ça. Bah ouais, ouais, ok. Du coup, je vois très bien. Bon, bah écoute, moi je dis c'est un bon. Comment on dit ? C'est une bonne entrée en matière pour la suite. C'est ça. Vous en voilà. Tipunio nous dit belle découverte. C'était top. Et bah, trop bien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que vraiment, on va trop déborder. Merci à tous. Merci à tous pour vos questions, vos participations sur le chat et tout. C'était hyper cool. Vous n'oubliez pas, toute la semaine, nous, on est là tous les jours, en fait, sur les lives. Donc, demain, on a une session illustration qui va être hyper cool aussi, avec des illustrations toutes kawaii, avec Jenny. Le mercredi, on a des plus grandes masterclass. Et voilà, tous les jours de la semaine à la même heure sur Adobe Live, donc n'hésitez pas à revenir. Et puis voilà, il y a Niki qui dit à mon avis il faudra plus qu'une deuxième session. Bah écoute, on a trouvé une Pauline qui était aussi bavarde que moi, donc moi je suis assez contente. On va inventer une émission, les Paulines. Les Paulines vous parlent de photos et de des gens et les recouvrir de textures bizarres. Oui. Tu vois, on peut en faire un métier, hein. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à nous en parler. Hein. Et bah, merci Pauline, c'était trop cool. Merci à toi, ouais, c'était vraiment très sympa. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Non, mais c'est tout l'inverse. On n'a jamais de gens qui parlent trop ici, c'est la règle, il faut parler. Voilà. Donc bah, merci à tous, je vous envoie plein de bisous si vous en voulez bien. Merci Pauline, c'était hyper cool. Et puis bah, au revoir tout le monde, moi je vous retrouve demain. Au revoir tout le monde, bonne semaine.